Vous allez bien ce matin? Oui. Amen. Hein? La bonne nouvelle ne serait pas complète si le Seigneur ne serait pas ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas? C'est merveilleux qu'il soit mort pour nos péchés, comme on a regardé la semaine passée. Mais merci Seigneur qu'il est revenu à la vie. Il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection met en lumière plutôt la satisfaction du Père sur l'œuvre que le Fils a accomplie. Et c'est pour ça très important. Il est très important qu'on se souvienne non seulement de sa mort, mais également qu'il est ressuscité d'entre les morts. Dans Matthieu 28, je vais tourner avec moi dans Matthieu 28, et puis j'aimerais juste vous lire un verset que l'ange a dit aux femmes qui sont allées voir le premier jour de la semaine. À leur grande surprise, la pierre était roulée. Ils ne s'attendaient pas à ça. Malgré que Jésus leur avait dit à maintes reprises qu'il allait ressusciter, ils ne s'attendaient pas que la pierre allait être roulée lorsqu'ils sont allés au tombeau. Et la pierre était roulée, et un ange leur a parlé et leur a dit, au verset 6, « Il n'est point ici, il est ressuscité. » Alléluia. Mais j'aime ce qu'il dit par la suite. « Comme il l'avait dit, c'est pas quelque chose qui est juste arrivé comme ça. Le Seigneur vous l'avait dit qu'il allait ressusciter. » Et après ça, la parole qui dit, « Venez et voyez le lieu où il était couché. » Alléluia. Venez et voyez. C'est pas simplement de croire des oui dire, mais c'est vraiment de venir et de voir. Et je crois que chaque personne qui vient à Jésus-Christ a besoin de venir et de voir. Nous, on ne voit pas de façon physique, mais on voit d'une façon qu'on réalise que Christ est vraiment mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. Merci Seigneur, n'est-ce pas? Donc, on va commencer avec un mot de prière et puis on va regarder ça ensemble. Père, on te remercie pour ta bonté envers nous. On te remercie pour l'œuvre qui a été accomplie par ton Fils. Et ce matin, on t'en rend grâce. Et nos yeux, Seigneur Dieu, se tournent vers lui, celui qui est élevé et au-dessus de tout. On te remercie que tu l'es souverainement élevé et qu'il est notre Seigneur et qu'il est le Christ, notre Sauveur. C'est en son nom qu'on te prie et qu'on te demande ce matin ton aide, afin qu'on puisse apprendre de toi, Seigneur Dieu. On désire que ta parole, Seigneur Dieu, par l'entremise de ton esprit, soit déposée dans nos cœurs, elle soit écrite dans nos cœurs, engravée, Seigneur Dieu, afin qu'on ne l'oublie pas, mais plutôt qu'on la mette en pratique. On te rend grâce au nom de Jésus. Amen. C'est un fait, on a regardé ça un peu la semaine passée, Christ devait souffrir. C'est une chose que Dieu a annoncée d'avance et nous avons regardé dans Actes 2, 23 qui nous dit qu'il a été livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. C'était quelque chose qui était planifié. Pourquoi que Dieu a envoyé son Fils à la croix? Ce n'est pas parce qu'il avait soif de sang. Dieu n'est pas assoiffé pour avoir du sang. Non, c'est parce que c'était la seule offrande qui pouvait être donnée, le seul sacrifice qui pouvait être fait pour ôter les péchés du monde. Et c'est pour ça qu'il l'a destiné. C'est un dessein arrêté qu'il a accompli. Même Jésus nous dit dans Luc 22, 22, ça nous dit, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. » C'était déterminé parce que le péché a des conséquences éternelles. Le sacrifice avait besoin d'être un sacrifice éternel. Et c'est pour ça que Jésus devient l'auteur d'un salut éternel. La conséquence était énorme. Et des fois, on prend la légère le péché. Il faut être honnête avec nous autres. Des fois, on pense que oh, c'est pas grand-chose. Jésus est mort, il y en a plus de péché. Mais savez-vous, c'est une offense contre Dieu. Et c'est une chose qui blesse Dieu. Il a donné son Fils afin de nous délivrer du péché. Il nous a délivré de l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Il a vaincu l'œuvre du diable. Ça nous dit également dans Actes 3, 18, « Mais Dieu a accompli de la sorte. » Comment? Le fait qu'il avait un dessein arrêté, le fait que Christ est mort,
ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait mourir. Acte 3:18. Dieu l'a annoncé d'avance. Les prophètes, c'était leur message que Dieu allait pourvoir un sacrifice qui allait les libérer. Eux s'attendaient à une libération physique seulement, mais Dieu avait un plus grand plan. Il y avait un plan de nous libérer spirituellement, qu'on puisse être avec lui dans une communion intime. Non pas une communion imaginative, mais une communion réelle. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ, par l'offrande qu'il a accomplie. C'est pas pour rien que Jésus dit « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli? Ce que Dieu a accompli de cette manière-là. Christ devait souffrir. C'était important. Jésus, comme je l'ai mentionné, l'a souvent articulé et affirmé. Dans Matthieu 16, nous lisons « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Et dans d'autres passages, ça dit, ses disciples n'ont rien compris. Donc, c'est pas mal clair. Et comment ça, ça c'était le début. Ça veut dire qu'il l'a dit plus qu'une fois. Il l'a dit à maintes reprises qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas de prophète qui meurt en dehors de Jérusalem. Et puis, il fallait qu'il y ait là, il fallait qu'il souffre et qu'il meure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'allait pas rester dans le tombeau. C'est qu'il allait être élevé. Il leur a reproché à maintes reprises leur incrédulité. On voit ça dans Luc 24, n'est-ce pas? Alors, il dit à ceux, les deux hommes qui étaient en chemin pour Emmaüs, il leur dit quoi? Il a dit, « Ô homme, au verset 25, et 26, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » C'est toujours associé, la mort de Christ est toujours associée à qu'est-ce qui vient par la suite. Autrement dit, le Seigneur leur a donné une espérance, mais elle n'était pas limitée au tombeau. C'est toujours, il faut qu'il rentre dans sa gloire. Il va ressusciter dans les morts. Et Pierre a compris ces choses-là. Pierre a compris une chose. Que qu'est-ce que les prophètes disent est extrêmement important. Et lorsqu'il parle des prophètes, frères et sœurs, il parle vraiment de l'inspiration des Écritures. C'est l'Esprit qui les a poussés afin qu'on ait la parole de Dieu. Afin qu'on puisse recevoir la parole de Dieu. Et Pierre a compris ça dans 1 Pierre, au premier chapitre. Je vois assez rapidement parce qu'on a commencé plus tard. Ça nous dit, Pierre, parlant des prophètes, il dit, les prophètes ont attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça ne s'arrête pas au tombeau, frère et sœur. Ça ne s'arrête pas simplement à la mort de Christ. Le fait qu'il a payé le prix pour nous, le fait qu'il nous lave et nous purifie de nos péchés, ça ne s'arrête pas là. Il a accompli quelque chose d'encore plus glorieux. Il nous a donné une espérance qui est vivante. C'est au-delà de cette vie. Comme Paul l'a dit, si vraiment notre espérance est seulement dans cette vie, ben, on est de tous les hommes les plus malheureux. Si Christ n'est pas ressuscité, les prophètes n'attestent pas seulement, frères et sœurs, les souffrances de Christ et la mort de Christ, mais la résurrection. Allez avec moi dans Acte 2. Acte 2. Pierre ici qui parle et puis... Luc donne un petit peu son sermon, mais il prend un passage que David a écrit. Et puis, ça nous dit au verset 29, « Enfants, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Okay? » Donc, c'est les choses qu'il dit, ce n'était pas à propos de lui. Donc, au verset 30, il nous dit, « Comme il était prophète,
et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. C'est ce Jésus qui a été ressuscité. Il y en avait plusieurs qui étaient appelés Jésus dans ce temps-là, frères et sœurs. Comme dans certains pays, il y a des gens qui sont appelés Jésus. Mais c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, pas quelqu'un d'autre. Et ça nous dit qu'il a été élevé, regardez verset 23, élevé par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis et l'a répandu. Mais il a été élevé par la droite de Dieu. C'est pour ça que Paul nous dit que Christ, après s'avoir donné, qu'il a subi la mort, qu'il s'est humilié jusqu'au point de mourir sur la croix. Il dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a été élevé par la droite de Dieu et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qui compare avec le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Savez-vous quoi? On peut aller à n'importe qui et déclarer avec autorité et avec assurance. Il n'y en a pas d'autre nom. Amen. Jésus est le sauveur du monde. Alléluia. Oui, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Et c'est là que c'est important de réaliser. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais nous avons été justifiés. Et ça, c'est prouvé par le fait qu'il est sorti du tombeau et qu'il est vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça, lorsque Nathanaël dit, il est vivant, il est ici parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est ici parmi nous. En esprit. Mais le fait qu'il ait été élevé par la droite de Dieu, quoi rapporte avec ce que Jésus a dit? Hein? Ça nous dit dans Jean 10, 17 et 18, je vais juste vous le lire, si vous voulez le tourner, c'est beau, mais il faut commencer à le lire. Ça nous dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a été élevé par la droite de Dieu. Qui est à la droite de Dieu? Jésus dit, j'ai le pouvoir de la reprendre. Parce que c'est l'ordre qui m'a été donné par mon Père. Alléluia. C'est un mystère grand, mais en même temps glorieux, n'est-ce pas? Il a été élevé par la droite de Dieu et dit, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Autrement dit, j'ai le pouvoir de revenir à la vie, de ressusciter. Quand Jésus a vu ses disciples en Galilée après qu'il ait été ressuscité, qu'est-ce qu'il leur a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Je vais vous penser à ça bien comme il faut. Tout pouvoir m'a été donné. Dieu Tout-Puissant, tout pouvoir égale au Dieu Tout-Puissant. Jésus, à maintes reprises, révèle qu'il est Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Par qu'est-ce qu'il dit? S'il a tout pouvoir, il est Tout-Puissant. Et lorsqu'on chante Dieu Tout-Puissant, frère et sœur, on élève Jésus-Christ. Quand les gens disent, oh, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Pardon? Seulement qu'il est fils de Dieu. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'il dit « je suis », il fait allusion au buisson lorsqu'il est apparu à Moïse. Il est Dieu Tout-Puissant. Paul nous dit dans Philippiens 2, justement, qui Christ, pendant le Christ, existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Il avait besoin de prendre un corps. Il avait besoin d'avenir sur la terre pour être en mesure de mourir pour les hommes. Parce qu'il est l'Éternel, il ne pouvait mourir à moins qu'il prenne sur lui la forme d'un homme. Hein? Jésus dit à Marthe, qu'est-ce qu'il a dit à Marthe? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et maintenant, on peut déclarer, comme ça nous dit dans Actes
2 au verset 36, lorsque Pierre dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu m'a fait Seigneur et Christ, Jésus, que vous avez crucifié. » Il est l'agneau de Dieu, que Dieu s'est pourvu. Pierre nous dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Dieu avait un plan avant même qu'est-ce qu'on est-tu, là, la petite terre qu'on est-tu, là, avant même qu'elle soit fondée. Et c'est là qu'on voit la majesté de Dieu, voyant que même à travers les corridors de l'éternité, voyant que l'homme allait faillir après qu'il l'ait créé, Dieu a déjà pourvu un agneau qui allait racheter les hommes. Ça, c'est à tel point qu'il nous aime. Il nous a créés dans le but que nous soyons pour l'éternité avec lui, étant des êtres libres, libres de le servir, libres de l'aimer. On n'est pas des petits robots qui, qui craignent, qui disent « On t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Non, ça vient d'un cœur qui a été purifié par le sang de Christ, qui a été racheté et maintenant qu'on lui appartient. Et c'est ce que Dieu avait comme vision lorsqu'il a planifié d'avance que Christ allait mourir, qu'il allait venir. Il l'avait prédestiné pour ça. Et je pense, comme j'ai mentionné au début, que chaque personne doit venir à la réalisation de venir à Christ et de voir que le tombeau est vide. Doit venir à la réalisation de Marthe. Marthe qui est venue à la réalisation et dit « Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et elle a dit ça suite à quoi? Suite au fait que le Seigneur a dit « Ton frère va ressusciter. » Elle dit « Ah oui, je sais que mon frère va ressusciter à la fin, au dernier jour, à la résurrection. Je sais que mon frère va ressusciter. » Elle dit « Non, non, je suis la résurrection et la vie. » Voyez-vous, c'est là qu'elle a reconnu. Oui, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Quel est le ressuscité? Frère et soeur, je crois que c'est notre bienheureuse espérance. Souvent, lorsqu'on parle de la bienheureuse espérance, les gens ont l'avènement du Seigneur en tête. Et c'est vrai, mais à l'avènement du Seigneur, c'est là que la résurrection a lieu. C'est là que la résurrection, c'est pour ça que quand Paul dit dans le titre, notre bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de Dieu. Il parle justement de cette espérance-là. Qu'est-ce que Paul a dit aux Thessaloniciens? Parce qu'il avait perdu des gens qui étaient morts. Il se demandait, ils vont-tu manquer l'enlèvement? Paul dit, non, non, non. Une chose que vous devez savoir, par la révélation du Seigneur, voici ce que je vous dis, ils vont même nous devancer. Ils vont être ressuscités en premier. Et nous, Paul nous dit dans Corinthiens, il va y avoir un changement tellement grand. En un clin d'œil, on va peut-être changer. On ne sera plus les mêmes. On va avoir un nouveau corps céleste qui fait référence à la résurrection. Cette chair-là, elle n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais elle va être transformée par la gloire de Dieu. On a vu dans 1 Pierre, il parlait de la gloire qui était à venir, la gloire qui allait suivre. La gloire qui allait suivre les souffrances, qui allait suivre suite aux souffrances. Quelle est cette gloire-là? Frère et sœur, le fait qu'il est assis à la droite de Dieu. Première chose, il entra dans sa gloire, n'est-ce pas? Tournez avec moi dans Jean 17. Sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Frère et sœur, il entend dans sa gloire, il est assis maintenant à la droite de Dieu.
Il est dans la droite de Dieu. Et ça, ça a beaucoup de signification, excusez. Des fois, je mélange mon anglais. Ça nous dit dans Marc 16, au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. J'ai remarqué une chose que les apôtres avaient une enfance qu'ils mettaient, le fait que Christ était retourné, qu'il entra dans sa gloire et qu'il était à la droite de Dieu. Il le met, hein, on pourrait dire, sur le même trône que le Père. Ils le mettent ensemble, égal au Père. Il est à la droite de Dieu. Étienne, lorsqu'il se faisait l'habiter, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une vision. Il dit, je vois Jésus. Hein? Je vois Jésus. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Wow! Hein? J'aimerais ça, une vision comme ça, de voir Jésus à la droite de Dieu. Ça nous voit, par contre, on le voit. Parce que la parole de Dieu nous le révèle. Jésus est à la droite de Dieu. Et regardez la bénédiction, le fait qu'il est mort pour nos péchés. Maintenant, on peut s'approcher de Dieu avec assurance, n'est-ce pas? La parole de Dieu est claire là-dessus. On peut s'approcher du trône de grâce avec assurance. Pourquoi? Parce que Christ est mort pour nous. Mais regardez le fait qu'il est ainsi à la droite de Dieu dans Romains 8, 34. Christ est mort, bien plus! Il est ressuscité! Pas simplement mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Moi, j'aime ça quand les gens disent, je prie pour toi. Merci. Alléluia. Mais j'aime encore bien plus que Christ prie pour moi. Il intercède en ce moment pour nous. Hein? Lorsqu'on s'attache à lui, ça veut dire quoi? On a l'assurance qu'on va persévérer jusqu'à la fin. Il tient la main. Alléluia. Il intercède. Wow! Étant à la droite de Dieu. Dans les plus, ça nous dit, lui, après avoir souffert, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Personne d'autre qui est assis là, mais Jésus-Christ. Puis elle nous dit qu'il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et même que les anges, les autorités, les puissances lui sont soumis. Alléluia. Et ça, c'est notre médiateur, frère et soeur. Alléluia. Nous avons un médiateur qui est à la droite de Dieu. Mais non seulement qu'il est médiateur, mais il est là également en tant qu'homme. Et ça, c'est un grand mystère. Il est le Fils de Dieu, glorifié et exalté. Mais Jésus est encore là, en tant qu'homme. Vous savez quoi? Ce qui est ressuscité dans les morts, ce n'est pas son esprit. Jésus dit, voyez, c'est son corps. Et maintenant, il est dans un corps glorieux, glorifié. Mais il porte l'humanité. C'est pour ça qu'on peut être dans cette assurance-là, qu'il intercède avec compassion. Parce qu'il s'identifie avec nos infirmités. Lui qui n'a jamais péché et maintenant qui est à la droite de Dieu et qui l'intercède. Hein? Oui, je comprends. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin d'être fortifiés. Par la résurrection, Jésus a accompli également la promesse du Père. Il dit, voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Qu'est-ce que c'est la promesse que le Père a fait? Le baptême de l'Esprit, n'est-ce pas? C'est ce que les prophètes ont prophétisé. C'est ce que même Jean Baptiste a dit. Il dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui va vous baptiser d'esprit, de l'esprit et de feu. C'est pas une question, peut-être qu'il y en a qui vont baptiser quelques gens, puis il y en a d'autres qui vont vraiment qui cherchent d'être baptisés. Non. Tous ceux qui viennent à Christ doivent être baptisés. Ils doivent recevoir la promesse du Père et d'être baptisés de l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ça, le Seigneur, il en a parlé à maintes reprises. Il dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Continuellement, la parole de Dieu nous fait part de ces choses-là.
Et Jésus leur a dit d'attendre à Jérusalem, n'est-ce pas? Jusqu'à temps que vous receviez ce que je vous ai annoncé. Vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous recevrez une puissance. Et Dieu nous donne une puissance, frères et sœurs. Savez-vous pourquoi Dieu nous donne une puissance? Pour qu'on puisse être enflé d'orgueil. C'est ça, parce qu'il veut que les gens, réalisent qu'on est des personnes importantes maintenant. On a une puissance dans nos vies. On veut que les gens regardent à qui nous sommes. Non, ce n'est aucunement la raison pour laquelle Paul nous dit, Dieu a choisi des choses folles. Et vous pouvez dire, hey, Dieu m'a donné une puissance, que je suis encore plus fou. Plus fou pour Christ. C'est la raison qu'il nous a donné une puissance pour être ses témoins. Et savez quoi, le monde a rejeté Christ et le Seigneur nous a dit, soyez pas surpris, ils vont aussi vous rejeter. Il nous a donné une puissance pour rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est la raison pour laquelle il nous a donné une puissance. C'est pour qu'on puisse être élevé au-dessus des autres. Paul est dit, nous autres, les apôtres, on est la bavure du monde. On est dans le bas de l'échelle. Aujourd'hui, on a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, puis le reste. Non. Paul dit, nous on est apôtres. Après ça, vous êtes au-dessus de nous autres. Parce qu'on est appelé à servir, frère. C'est qui est le plus grand? C'est celui qui est élevé, non? C'est celui qui est abaissé. Selon l'économie de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté des fois dans notre ligne de pensée, dans notre génération, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit. Même chez les chrétiens, il y en a ici, ça fait plusieurs années, 30, 40, 50 ans, peut-être nous autres chrétiens. Mais c'est ça qu'on a appris, que Dieu veut nous mettre sur le top. Donc Jésus dit, non, je vous mets en bas, parce que c'est lui qui est au top. Et c'est lui que les gens doivent reconnaître. Donc il nous a donné cette puissance pour être témoin de la résurrection de Christ. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que chacun a besoin de réaliser, d'aller et de voir que le tombeau est vide. On a besoin de le réaliser. Parce que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et l'Esprit également a rendu témoignage par des témoins oculaires. Parce qu'on croit que l'Esprit a poussé les hommes justement pour qu'on ait une parole qui soit éternelle. Oui? Moi, je crois. Sinon, avez-vous un autre livre? Non. L'Esprit de Dieu a inspiré les hommes. Et on a une parole qui est absolument certaine. C'est pour ça que tout ce que j'entends qui vient des hommes qui disent « Dieu a dit », oh, ça c'est mon filtre. Parce que l'Esprit parle à travers la parole qui l'a inspiré. Là, je parle de discerner, de voir « non ». Ça ne s'enligne pas avec ce que Dieu a déjà dit. Et nous avons des témoins oculaires, pas des oui-dire, pas des formes bien conçues. Frère, on ne vous a pas raconté des formes bien conçues. On n'a pas inventé quoi. Ce n'est pas des oui-dire, mais il est apparu à des personnes. Il est apparu aux 11, et pendant qu'il était les voir, il les a repris parce qu'il n'avait pas cru ceux qui avaient envoyé, les petites dames qui avaient envoyé pour dire « Hey, le Seigneur est... » Et il reste ici. Il n'est plus dans le tombeau. Les anges nous ont parlé. Les deux hommes qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, même eux, à la fin, après que Jésus a été enlevé, après qu'ils aient vu, c'est un Seigneur. Eux-mêmes ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Ils ont réalisé. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu également à Simon. Bon, allez avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Ici, Paul, à partir du verset 5, nous dit que le Seigneur est apparu à Cephas, puis aux 12. Mais c'est une référence générale quand il dit aux 12, ceux qui l'avaient suivi, parce qu'il en manquait un à ce moment-là. C'est pour ça que
Dans Marc, ça nous dit il est apparu au 11. Mais des fois, la parole de Dieu met des choses en général, n'est-ce pas? Les gens pensaient au 12. Puis au 12, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mais 500 personnes disaient, « J'ai vu Jésus! » Il est réellement ressuscité. Et ça nous dit aussi, « dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ici, on a un petit indice que ce n'est pas limité à 12 apôtres. N'est-ce pas? Dieu n'a pas juste envoyé les 12 apôtres dire, « OK, c'est facile, arrangez-vous avec le reste. » Non, ici, il est apparu à Jacques, il est apparu à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'abandon. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et au verset 11, il nous dit, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Qu'est-ce qu'il prêchait? Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il parlait, c'est tout ce que les prophètes ont dit depuis le début, que Christ devait souffrir et qu'il devait ressusciter dans les morts. Mais il a été vu par beaucoup de gens. Donc, frères et sœurs, je crois qu'il est important pour nous, dans notre témoignage, non seulement de témoigner de la mort de Christ, c'est extrêmement important, mais bien plus la résurrection. Parce que notre Sauveur est vivant. Et c'est une espérance vivante que nous avons. Pierre nous dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Mais par la suite, il dit, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui rend valide notre espérance vivante, parce que Jésus est vivant. Imaginez-vous d'avoir une espérance dans un homme qui est mort. Il est mort, il est dans le tombeau. Hey, je vais aller le rejoindre moi aussi dans le tombeau. Pas grande espérance là. Mon espérance, c'est que je vais mourir aussi. Non. Christ est ressuscité des morts. Et ça, c'est l'espérance vivante que nous avons par sa résurrection. Et selon Paul, c'est ce qui fait toute la différence entre une foi authentique et une foi qui est vaine. Allons ensemble lire à partir de. Au verset 11, on a lu que voilà ce que nous prêchons. Okay? C'est ce que vous avez cru. Au verset 12, chapitre 15 de 1 Corinthiens, « Or si l'on prêche Christ, que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Wow! Ça a tout un impact si Christ est dans le tombeau, s'il n'est pas ressuscité. Paul dit, notre prédication est vaine, votre foi est vaine, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et c'est par la suite qu'il dit, si, au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'on ne profite pas de ce que cette vie-là peut donner. Notre vie est en Christ. C'est ce qui fait toute la différence. Comme j'ai mentionné, oui, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Et ça, c'était un point de controverse. Allez avec moi, on achève Actes 4. Actes 4. Voyez-vous, les apôtres rendent témoignage de la résurrection du Seigneur. Et ça nous dit, au verset 2, il dit, mécontent, on va lire le verset 1. «
Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ça ne faisait pas leur affaire qu'ils prêchent que Christ était ressuscité des morts. Ils ont même payé des gens pour dire « On va s'arranger, là, les soldats, on va s'arranger avec ces choses-là. Dites que ces disciples sont venus le prendre pendant qu'on dormait. » Et c'est pour ça qu'on peut voir à quel point les hommes, pour vouloir accomplir leur volonté, ils sont prêts à mentir carrément, à créer des histoires. On ne devrait jamais être surpris de ça. Ils l'ont fait avec le maître. Et c'est le point de la controverse. Pourquoi c'était tellement une controverse que Christ soit ressuscité? La résurrection, lorsqu'elle est établie, fait en sorte que toutes choses concernant Jésus et l'Évangile ne peuvent être reniées. Lorsque la résurrection est établie, lorsqu'elle est témoignée et que les gens saisissent, Christ est réellement ressuscité et il est apparu. Fait en sorte que tout ce qui concerne Jésus et l'Évangile ne peut pas être renié. Qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu, qu'il est le chemin et la vérité. Autrement dit, son enseignement, tout ce qu'il a dit, toute cette vérité-là ne peut pas être reniée. Et qu'il est la vie. Mais si la résurrection est déniée, alors, retournons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. Alors, on est mieux de faire comme les autres font, de manger et de boire. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 30, il dit « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Vous voyez, si Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas, on est tous bien de prendre notre plaisir dans ce monde. Et vraiment, notre foi est vaine si les morts ne ressuscitent pas. C'est pour ça que si la résurrection est déniée, elle est reniée, donc il n'y a plus rien pour vivre dans cette vie que d'essayer de jouir de tout ce que les plaisirs de ce monde peuvent offrir. Par contre, la résurrection est établie, frères et sœurs. Il a été vu par plusieurs. L'Esprit nous l'affirme. Notre nouvelle naissance nous donne cette espérance vivante-là en Jésus-Christ par la résurrection de Jésus-Christ. Et vous pouvez voyager de nos jours, vous pouvez aller en... Ben, ça dépend de qui vous lisez. Vous pouvez aller en Chine, en Inde ou au Népal, tout dépendant, parce qu'apparemment, Bouddha était enterré à trois différents endroits. Ils l'ont séparé en morceaux, j'imagine. Mais dans chacun de ces pays-là, apparemment, le tombeau s'est marqué « occupé ». Bouddha est là. Vous pouvez aller au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Et savez-vous quoi? Il y a un autre tombeau qui est occupé là, celui de Mohamed. Occupé. Pourquoi? Parce qu'il est là. Vous voulez aller en Russie et voir Vladimir Lénine. Et apparemment, il est dans un tombeau transparent, vous pouvez le voir. En anglais, on dit « shrine ». Il est tellement élevé. Vous savez quoi? Il est là. C'est marqué « occupé ». Vous allez à Jérusalem. Vous allez voir le tombeau. Mais il est vide. Alléluia. C'est le seul tombeau qui est vide. Il est vide.
Il y a des hommes qui ont accompli des choses plus ou moins bonnes dans ce monde. Ils ont supposément atteint un niveau de spiritualité comme Bouddha. Il y en a qui ont conquéri comme Vladimir Lénine. Mais il y en a juste un qui a conquéri la mort. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Le tombeau est vide. Gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Amen. Mais ça devrait nous faire sauter. Je me réjouis du fait que Christ est mort, mais surtout, bien plus, qu'il est ressuscité dans les morts. Ça donne l'approbation à tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Alléluia. Et pour nous, c'est la vie éternelle. C'est de le connaître. Alléluia. On va vous demander de vous lever pour un instant. On va terminer avec un chant.